Alors, le jeu va être très simple. Le principe, on va vous montrer des lettres. Vous allez trouver le personnage. Évidemment, les lettres dans le désordre. Donc, c'est très simple, quoi. C'est comme dans déchiffrer des lettres, du coup. Mais ouais. Du coup, les lettres, elles sont en rapport avec le personnage. C'est les lettres qui composent son nom. Ah, ok. Et mais vous devrez recomposer les lettres en sachant que j'ai fait trois thèmes différents. Et on prend les ardoises. On a fait trois thèmes différents et trois niveaux différents. Niveau facile, moyen, difficile. Et au niveau des thèmes, on a manga, on a gaming et on a comics. Oh. Donc là, attention, la pression sera sur tes épaules pour tout ce qui est comics. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Le chat joue. Allez-y. Évidemment que le chat joue. Donc pas de téléphone. Le chat, vous bombardez et vous mettez ce que vous pensez. Ça fait un bug, j'ai pas parlé de comics. Hein. C'est pas grave. Ça fait longtemps. C'est pas parce que ça fait longtemps. C'était quoi les thèmes ? J'ai pas écouté. Alors, les thèmes sont manga, comics et gaming. Donc, ce sera des personnages de manga, comics ou gaming. À chaque fois, on vous montre un certain nombre de lettres. Vous trouvez le personnage qui se trouve derrière. Un exemple, on aurait pu mettre Pikachu dans le désordre et vous devez trouver Pikachu. Donc, vous avez à chaque fois les lettres. Elles doivent toutes être utilisées. On commence avec le premier. C'est parti. Ah, et on peut mettre la musique de suspense en fond, histoire de faire stresser tout le monde. Alors on peut la remettre du début, s'il vous plaît. Le début est moins... Voilà. Alors, et vous avez 30 secondes à chaque fois. Ça fait déjà 10 secondes. Le chat, je compte les points. Quel est le personnage qui se cache derrière ces lettres ? C'est du niveau facile. Si personne n'a trouvé dans 10 secondes, je donne un indice. Je l'ai. Je ne donne plus d'indice. Johan, t'es nul. On ne regarde pas. Ah, Johan, t'es nul, c'est un indice. Ça donne le thème. Quel est ce personnage dans le chat ? Trois personnes l'ont déjà trouvé. Bon, Alan, il triche parce qu'il est en régie. Vite, s'il vous plaît. Ah, moi, je vois pas, là. Alan, il a le temps de changer les caméras et de répondre en même temps. Il est très, très fort. Ah. Ah, mais c'est bon, putain. Vous avez Milk, elle a la rage là, c'est la seule. Ah, tu l'as ? Je l'ai. Ouh, bon, bah on peut tous montrer les ardoises. Quand on montre les ardoises, n'hésitez pas à montrer. Voilà. Thanos. Effectivement, la réponse était Thanos. Tu as triché ? Attention, attention. Oh non, Milk. Est-ce que je peux voir si son téléphone il est verrouillé non, ou pas ? Est-ce que j'ai le chat ? T'as recopié sur lui ? Je te jure, j'ai pas le chat. Ouais, j'avoue, j'ai recopié sur lui. Bon, j'enlève. J'aurais pas dû dire Yo, t'es nul. En vrai, ça va peut-être aider. Notez vos points en haut. Sacha, tu l'avais ? Ouais. En haut à gauche. Mon note. Vous notez les points en haut à gauche de votre ardoise. Dans le chat, Alan l'avait. Flame dit que c'est facile. Lady Stardust l'avait. Tatsuma l'avait. Non, il a pas donné la réponse. Il a dit c'est facile. Alan ne voit pas les réponses. Ah, d'accord. Merci. Prochain. Comment on appelait ça le jeu ? Attends. La prochaine soupe de lettres, on y va. Il est bien le nom. Hein. C'est le nom de Flame. Quel personnage se cache derrière ces lettres ? On refera ce jeu la prochaine fois, on mettra les lettres en majuscules, ça sera plus lisible et en plus gros. Là, c'est un petit peu petit. On l'améliorera. Dans le chat, on a déjà deux bonnes réponses, trois bonnes réponses et deux mauvaises réponses. Dont Alan, je précise. Alan, tu as la mauvaise réponse. Un bâtard et le Pouki. Oh. Pas de problème. Il vous reste 15 secondes. Qui l'a ? Je l'ai pas. Vous l'avez pas ? Si personne ne l'a, je donne un indice. Je l'ai. Attention, il y a des yeux qui se baladent sur ton ardoise. Moi j'ai écrit. Elle tue ce qu'elle a fait toutes. J'ai vu, elle a fait toutes les compositions possibles. Ah ouais. C'est une bonne strat. Franchement, je l'ai pas. Il vous reste 5 secondes. Notez un truc au hasard. Notez un truc au hasard avec les lettres qu'il y a. 3, 2, 1. On montre les ardoises. Bjorn. Nioba, Robin et Robin. Ah, c'était Robin. C'est Robin. Bravo, la réponse. Franchement, moi j'ai assumé quand j'ai triché. J'ai dit Robin. Et lui, il assume pas quand il triche. Ah non, Robin. Mais moi je pensais à Bjorn. Il a pas triché. Il y a pas de série là. Ouais, je pensais à. Ouais, c'est moi, t'as écrit plein de trucs. C'est pas la bonne lettre. Bien joué, bien joué. Mais Bjorn, moi, c'est un J en fait. En plus, Robin, c'est trop ma waifu. Je suis bête. Dans le chat, Tatsuma. Duck, Botox, Lips. Ah, mais en fait, moi j'ai trouvé par rapport à ça comics. Tifalia, oui. Alan non, Senpai, Lady Stardust. Mais moi, en fait, je pensais que c'était. Mais bien le jeu. Flame, je te félicite. Si je parle avec le chat et que vous parlez, personne ne comprend. Blablabli. Pardon.
Pas de problème. T'as mis ton petit point en haut à gauche? Oui. Un point pour Milk. Et est-ce qu'on peut, je peux demander la VAR? Le chat, est-ce que vous avez vu Johan tricher? Moi, je l'ai pas vu. Je rigole. On passe à la numéro 3. Alors là, vous avez 10 secondes. C'est parti. Oh, t'abuses. Ouais. Ah, mais vous allez voir aussi. T'abuses. Il n'y a que 3 lettres. Hein. C'est bon. C'est vous avez 4 solutions. C'est bon. 3, 2, 1. Un. On retourne les ardoises. Allez, allez. On a Red. Et pas de points pour Milk. C'était Red. On vous montre la photo. Red de Pokémon. On vous mettra les images plus grandes la prochaine fois. Dans le chat, Alan a la réponse, Duck Botox Lips a la réponse, Tatsuma a la réponse, Lady Stardust a la réponse et Tifalia a la réponse. Attention, on revient sur des mots qui ont un peu plus de lettres. Parce que 3 lettres, c'est facile. 30 secondes pour trouver un mot. On y va. Tbnma. Ce sont les lettres que vous avez. Ah, attention, Johan, il semble qu'il ait trouvé la réponse. Chris, il hésite. Milk, elle a une approche très scientifique, elle fait des essais, je pense. C'est un truc de comics. Le King J dit que c'est un personnage de comics. Dans le chat, on a 1, 2, 3, 4 bonnes réponses. 5 bonnes réponses. Mais c'est dur. Il vous reste 10 secondes. Ah mais je l'ai 3, c'est bon, je l'ai 1, retournez les ardoises. Ant-Man, hein? Batman, ah non, Batman, hein? Et c'était Batman. Mais non, Chris, la réponse en image. Moi j'ai mis en... Ah oui, Chris, mais j'ai vu le B à la place du N, je sais pas, j'ai... Mais t'étais presque. Mais même moi j'ai pensé Ant-Man au début, je me suis dit, bon, y'a un Man. Y'a le B, là. Y'a le... Dans le chat, y'a Litchi qui dit Chris t'abuse. Beaucoup de bonnes réponses. Ah. Oubliez pas de vous mettre vos points, ce qu'il y avait. Ça, t'as dit qui dans le chat? Litchi. Litchi dit Chris t'abuse. Excuse-moi, Mel. C'était un bon essai, franchement. Ouais, non. En plus, on a saigné les Arkham ensemble, elle va me détester. Ah. Le prochain est avec moins de lettres, mais peut-être plus difficile à trouver. C'est parti. Cinq, quatre, trois, en fait, deux, y en a plusieurs qui un, Kana, moi, j'ai Kana, Kana, Kana. Ok, t'es sûr? Non, mais je sais que c'est pas ça, mais j'avais la réponse ça. En image. Oh, c'est Kana, elle, un point pour tout le monde. 20th Century Boys. Moi, j'ai pensé à... Le prochain, il est en deux mots. Par contre, les lettres qui sont séparées en deux ne veulent pas dire qu'elles correspondent chacune à un mot différent. Ah ouais. D'accord. Donc là, on est vraiment sur... Step up. Ah ouais. Attends, j'ai pas compris. Il y a un tiret. En gros, il y a un tiret, mais les mots... Il n'y a pas forcément de tiret, mais c'est des mots séparés. En revanche, les lettres que Flame vous a mis, elles sont en deux parties, mais ça ne veut pas dire que les parties à droite font le petit mot. Voilà, ok, ok. Ah, du coup, c'est... C'est encore en soupe, c'est une soupe. Flame, t'es chaud. Non, laisse pas, c'était une lettre, en fait. T'es vraiment bouillant, enfin. Putain, c'est chaud. Vous allez voir, on passe à un niveau un peu plus compliqué. On vous montre la question. Qui est ce personnage? Je donne quand même un indice parce que ça commence à être difficile. C'est du comics. Ah non, pardon, c'est du gaming. Enfin, Flame a mis gaming, moi je pensais que c'était du comics. Ah, Flame dit qu'apparemment il y a peut-être une erreur. Ah. Mais par contre, je vois pas de tiret, je vois pas d'espace là, je comprends pas. Ici, un espace. En fait, il manque une lettre. Attendez, je regarde. Il manque une lettre. Il y a un A en plus. En A. Il manque un A, donc il y a un A. Il faut un A en plus dans ce. Mais dans les traits là, je comprends pas. Où est-ce qu'il est l'espace? Il l'a pas mis. Ah d'accord. C'est deux mots de quatre lettres. Ouais, il aurait fallu mettre un A. Alors moi je pensais que c'était du comics, mais Flame m'a mis gaming. Franchement, je
Non, je l'ai pas. Oh, c'est dur, hein. Oh, c'est dur. C'est très dur, hein. Si vous avez pas de réponse, personne n'a de réponse. Attends. Faites un essai. Litchi dit que c'est dur. C'est dur, mais alors désolé, c'est pas très bien présenté. Il aurait fallu qu'on mette un espace et qu'on mette les lettres en majuscules. C'est la première fois qu'on le fait, on le fera différemment la prochaine fois. Allez, montrez aux ardoises. Non, mais je suis dans les théories là, je suis pas dans la des... réponse en image tout de suite. C'était. Bojack. Ah, Bojack. Comment il s'appelle ce jeu Borderlands. Ah ouais, je connais pas. Pourquoi pour moi c'était du comic mais Bojack. J'ai pas joué à Borderlands. Ouais. J'avoue, je l'avais pas. Ah, il manque un B du coup. Ah non, il est. Il manque un A. Prochaine question, on reste sur le niveau. Alors là, c'est le niveau moyen, attention, c'est pas le niveau difficile. Ah, ouais, c'est chaud. Ah, il est bien le jeu, hein. Ouais. Bojack, c'était chaud. On vous montre. J'ai que Bojack de ouais, DBZ. Voilà, c'est tout. Le prochain, on y va. Moi, j'avais Bojack de DBZ. Ouais, mais moi, pile. Qui est ce personnage? On est sur du comics. Ah mais oui, je suis bête. Et on est sur un personnage féminin. Il vous reste 5 secondes dans le chat. C'est toi Doc Botox Lips? Non, Pierre. Moi je mets sur c'est mes notes parce Pierre. Que sur le chat c'est Pierre. Bah Pierre a la bonne réponse. Tatsuma a la bonne réponse. Pas sûr. Non, je mets sur le chat hein. Je l'ai pas. Non. Moi je devrais l'avoir. Ouais, cinq, facile. 4 3 2 mec, 5 lettres, je galère. On enlève Shuri. 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 Le Christ, tu rajoutes des lettres. Non, en fait, j'étais. Moi, j'ai. Attends, Shuri, c'est qui Shuri? C'est Shuri. Shuri, regarde, tu vas voir l'image, tu vas comprendre. Shuri. Ah, dans Black Panther. Ah, ouais, putain. Ouais, mais aussi, vous mettez des. Je sais quoi son nom de famille à Shuri? Secondaires comme ça, là. Ken. Ça par contre la lâche là. Rajoute-moi un demi-point. Un demi-point pour Chris. Merci. Alors attention, là je ne connais pas le personnage. On est dans le gaming. Ça me donne un indice supplémentaire. C'est quoi vos points là? C'est quoi les points? Ouais, t'as pas deux? Si j'ai deux, qu'est-ce qui t'arrive? Pas cinq. Si elle a deux, elle a deux. Si t'arrives, elle a dit. Je suis la seule à avoir trouvé Robin et ouais. Moi j'ai trois moi. Je suis à cinq. Robin. T'avais trouvé Robin et Kana. Et Kana, ouais. T'es chaud, hein. Prochaine image. J'ai raté Kana. On est sur du gaming. Allez-y. Ah, c'est bon, jeu. Je pose le tel, je mets dans le chat, je pose le bigot. Est-ce qu'on peut avancer la musique, s'il vous plaît? Cette partie est un peu désagréable. C'est du gaming? C'est... Je vais vérifier pour confirmer. C'est du gaming et on est passé sur... Ah, difficile, attention. Je pense l'avoir. Ouais, je suis sûr, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Attends. Hein? Pas de A. Ah, mais Flame, tu me les as pas tous mis. Ouais, on a mis le dans le chat, Alan a la réponse. Sacha a la réponse. C'est où? Moi, j'ai la réponse. Doug Botox Lips a la réponse, mais il est en régie, donc peut-être que tu triches, hein. Attention. Pas de réponse. Mais ouais, les rideaux sont ouverts d'ailleurs. Franchement, je tente du coup, un truc. Je pense qu'il y a un A en trop, je suis pas sûr. Il y a pas de A en trop. Ah ouais? Non, c'est bon les lettres. Oh, je l'ai pas, je suis désolé alors là. Il vous reste 5 secondes, 5, oh, c'est 4, vite. 3, oh, c'est vite, 2, 1. Malenia, oh, pardon, Malenia. C'est qui Malina? C'est qui Malina? Dans Elden la réponse. Ah, mais je joue pas Elden Ring. En image. Oui, c'est pour ça, il y a 2A. Un point pour Malina. Pas de point pour Yo, il y avait pas la bonne orthographe. Pas de point. Milk, t'as écrit quoi? Pour King J, parce que t'as mis un H à la fin. Non, c'est un A. T'as mis 2A à la fin, il n'y a qu'un seul A. Mais comme je t'ai dit, il y a un A en trop. Elle est malienne. Il y avait un A. Personne ne veut rien dire là. Non, c'était bon, il y a 2A là. Il y a 2A les gars, il y en a un au début, un à la fin. Ah, non, je suis bête. Elle a mis malienne. Non, j'ai mis Malenia. Je suis Malienne. On va vérifier sur le replay. Et si elle a tort, elle partira moins 1 la semaine prochaine. Malienne. Non, vas-y, j'enlève. Malienne. J'ai écrit Maliena. D'accord. C'était Malenia. Incroyable. J'ai un point ou pas? Non. Ok. Parce qu'il y en a qui avaient juste mis 2 A et ils ont pas eu de points. Ouais.
Alors attention, on va repartir sur l'univers que Chris affectionne. Enfin, tout le monde, mais oh, j'ai pas là trouvé, où tu hein. es un expert. Oh, expert. Puisqu'on expert, repart sur le manga avec le personnage suivant. Trouvez-moi qui se cache derrière ces lettres. Et c'est l'avant-dernier personnage. Et on est encore sur du difficile. Attends, 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 il y a 4 lettres et on galère. Que ça. C'est quoi, c'est du manga? C'est ouais. du manga. Je vois que ça. T'as un truc? Ouais, mais je vois moi, j'ai rien, ça, moi. Je vois rien d'autre. Dans le chat, évidemment, vous participez, il reste 2 personnages. Il y a 2 personnes dans le chat, 3 personnes dans le chat qui ont la réponse. Tifalia, Lady Stardust, Tatsuma... Vous êtes des machines. Quel personnage se cache derrière ANRU? Putain, en fait, ça date, c'est pour ça. Ça date, ouais. Il vous reste. Ah ouais. Attends, j'ai galéré. T'as trouvé? Ouais, j'ai trouvé, mais j'ai galéré. Trois. C'est un truc d'ancien, c'est un truc d'ancien. Je pense pas. Et c'était Naru. Ah, c'était juste. Juan. Ouais, Juan. Le... C'est la version portugaise de Juan. Juan. C'est Naru dans. Je le sème parce que je l'avais écrit, mais c'est dans le... ça peut pas être ça. Attends, mais Naru, c'est quel Naru ça? Moi j'avais Naru dans le Vina, je crois. Tu nous précises, c'est le Naru de quelle dimension? Ouais, s'il te plaît. Barakamon. Putain, j'ai eu le point en pensant à un autre perso. Barakamon. Mais bon, bref, mais après Naru, tu me diras. Au début, j'avais mis Noura. Mais c'était même pas le bon truc. Ouais, ça passe aussi. Juan, ça doit être quelque part aussi. Lequel? Celui qui tient son cœur dans Captain Tsubasa? Je sais pas, ouais, peut-être. Il devait rester sur les poteaux. Au dernier. Il n'est plus. Le dernier est très difficile. Il vaudra 2 points. Ah, j'ai pas mis mon point d'ailleurs. Et on est sur un thème de comics. Ah. Yoann. Donc, non, Yoann. Mais attends, vous dites comics, vous sortez des trucs obscurs. On les connaît même pas, les gens. Et bah alors là, celui-là, t'es pas prêt. C'est parce qu'il y a celui cardiaque. Qu'est-ce qu'il raconte? Julian Ross. Allez, le dernier, on vous l'affiche. What the fuck? Shraos. Évidemment, c'est un personnage d'origine portugaise. Doucement. Je peux me permettre, puisqu'il y en a 2 autour de la table. 3 yeah. 3 parce que Capverdien, c'est un. Ouais, non, c'est pas portugais. D'où. On en parlera après, jouez au jeu. De Cabo Verde. Oh, il est dur là. Charo. ouais, c'est écrit Charo. Non, c'est... Putain, je tape des vraies danses, la régie, mais le monde ne monte même pas quoi. Kevin a juste épellé Naru sans le faire exprès. Ah mince. Ouais, t'as dit NARU. C'est vrai? Et y'en a qui ont quand même pas trouvé la réponse. Allez, c'est le dernier et ensuite on clôturera l'émission parce que Chris doit aller voir le concert de son petit frère. Allez voir le concert de son petit frère. C'est dans le 18ème, je ne sais plus où. Rue des Martyrs dans le 18ème. Quel numéro? Je sais plus. Numéro, je sais plus. Et le bien à l'esprit. Et il vous reste 10 secondes dans le chat. Charo, on l'a aussi, mais dans le chat, personne ne l'a. C'est chaud. C'est chaud d'ouf. Ah, c'est chaud, c'est chaud. Un indice. Allez, Flame va nous donner un indice dans le chat. Je vous le répète. Non, je l'ai pas, moi. Personne ne l'a. Moi, je crois que je vous répéterai l'indice dès qu'il sera publié. Parce que c'est vrai que c'est difficile. Je rappelle que cette question vaut. 2 points. Vaut 2 points. Et Johan a déjà les 2 points. Maintenant qu'il y a un indice, elle vaut 1 point. Mais Johan a les 2 points. Johan, il est chaud. Allez, Flame. Si tu donnes pas l'indice, on passe à la suite. On retourne les ardoises. Qu'est-ce qu'on avait? On avait... Karcharos, ça c'est un Rorschach dans Watchmen. Ah ouais, bah ouais. Regardez la réponse en image. En fait, c'est le test de Rorschach, le truc avec les encres. Oui, je vois. Mais l'orthographe, elle est... Bon, je savais pas que ça s'écrivait comme ça, même moi. Johan, tu gagnes 2 points, ouais, bon. Parce que t'as réussi la... Eh bah bravo, la difficile. Bravo. Combien de points avez-vous? Chris, 4 points. Le King J, 6 points. Je suis à 5. Milk, 2 points. Johan, 7. 8 points pour Johan. Les gars, événement. Si on peut couper la musique, c'est la première fois. C'est la première fois, si. J'ai déjà gagné au tout début. C'est la première fois de la saison. T'as gagné au pilote, gars. Ah, de la saison, au pilote, ouais. Ah, au pilote. Non, vers les 2-3 premières émissions, j'ai gagné après. Il a arrêté. C'est la première fois depuis un bail que Johan gagne. Donc on peut l'applaudir. Bravo. Ah non, Maïro, j'avais gagné.
Bon, on l'applaudit pas. Non, mais bravo, c'était vraiment pas facile. T'as trouvé le dernier. Bien joué à Flame, franchement. Bien joué à Flame. C'était un bon jeu.